Salut à tous, c'est Aurélien, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur The Crew 2 pour un nouveau custom test et aujourd'hui on part sur la Camaro SS Band Edition, voiture qui est exclusive au Motor Pass de cette saison 5 épisode 2 qui se débloque au palier 13 avec le Motor Pass Premium, c'est-à-dire qu'il vous faudra donc acheter le Motor Pass pour avoir cette voiture, vous ne pourrez pas l'avoir gratuitement, mais bon, comme toutes les éditions normalement du Motor Pass Premium, eh bien ce sont des éditions qui sont juste inspirées de voitures qui sont déjà sur le jeu. Donc la Camaro SS de base de 2010 existe déjà en version normale que vous pouvez voir en box. Et normalement, en général, les perfs sont censés être les mêmes. Ce qu'on va tester dans cette performance, on va déjà regarder un petit peu esthétiquement ce qu'ils nous ont fait. Or c'est une voiture qui a quand même un peu de travail esthétiquement, même plus qu'un peu, même si on dirait pas comme ça. Déjà la face avant, le pare-choc est un petit peu différent et surtout on remarque cette calandre qui cache les feux complètement. On a des portes de garage pour cacher les feux presque. Donc ça c'est un style vraiment sur les vieilles américaines, je ne saurais même plus dire laquelle, mais je sais qu'il y a des vieilles américaines qui avaient justement ce système de phare qui se cachait avec exactement les mêmes grilles. Donc ça c'est une petite inspiration de l'époque. On a l'air d'avoir des ailes assez larges, je ne saurais pas dire si c'est plus large que la version de base. Le capot est assez musclé d'ailleurs et la petite aération devant aussi. Sur les côtés, je dirais rien de spécial et surtout on a cette arrière en fait quand même qui est retravaillée. Si vous regardez bien la ligne vraiment du toit et de l'arrière, eh bien elle est beaucoup beaucoup plus haute par rapport à une Camaro standard, elle part plus loin. J'aime bien moi l'appeler cette version de la Camaro, la Camaro SUV un petit peu, parce que vraiment elle a une découpe un peu à la SUV quand on la regarde de derrière. Donc limite si Chevrolet avait appelé SUV Camaro, c'est à quoi ça ressemblerait. Donc c'est quand même assez bizarre. Et puis les jantes qui sont assez badass tout de même. Donc franchement c'est une édition assez spéciale, assez cool. L'arrière pareil, gros échappement, gros diffuseur. Et surtout on a à l'intérieur cette petite guitare. Alors pourquoi je ne sais pas, il y a peut-être une référence que je n'ai pas. Parce qu'en général les développeurs de The Crew 2 aiment bien mettre des références à droite à gauche sur leur jeu, sur leur voiture. Alors est-ce qu'il y a un rapport avec le nom de la voiture et la guitare, je ne sais pas. Si vous savez, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Mais voilà, esthétiquement je trouve que c'est quand même, il y a du job, il y a du job franchement pour déjà rien que le fait qu'ils aient changé entièrement la ligne arrière, c'est quand même pas mal. Même si c'est pas la plus voyante des éditions, je trouve qu'elle est quand même assez cool, même si c'est assez spécial esthétiquement. Donc on va regarder un petit peu la custom. Évidemment je pense que comme d'habitude il n'y a pas de pièces de customisation à proprement parler. Effectivement voilà, pas de peinture, pas de pièces esthétiques, mais la possibilité de faire délivrer comme toujours, ça c'est plutôt bien. Donc la commu a déjà fait quelques livrets d'ailleurs, mais bon, je pense comme d'hab on va rester sur les livrets d'origine, bien qu'il y ait des trucs quand même assez sympathiques, assez basiques, mais assez sympathiques franchement. Mais bon, on va rester sur le livret de bas. Au niveau des vanités, est-ce qu'on a un truc, les pneus là ça pourrait lui aller vu qu'il y a des bords rouges, c'est assez discret mais assez voyant en même temps. On va mettre la fumée de pneus rouges, nitro rouge, alors néon, ouais on va mettre rouge, vitre teinté évidemment, pas de klaxon, et on peut mettre des vanités de toit, mais ça on ne va pas le faire. Alors on va la comparer vite fait esthétiquement quand même avec la version de base et puis en performance aussi, mais si on les regarde comme ça, l'arrière m'a pas l'air spécialement plus large, donc logiquement elle devrait avoir vraiment les mêmes performances. Sinon effectivement il y a quand même de la différence hein, sur le pare-choc, sur la ligne. D'ailleurs là si vous faites bien attention sur l'arrière à la ligne de la voiture, vous voyez la Camaro ça redescend tout de suite, alors que si vous regardez celle-ci, la SS ça repart beaucoup plus loin sur la voiture. En termes de performance, alors elles ont à peu près le même réglage. Donc ici on est à 2,37, 9,63, 1,35, 16,2 au niveau du freinage. Et ici on est à 2,47, 9,73, 1,35 et 16,35. Donc elles ont même accès globalement, y a juste le freinage qui est un tout petit peu différent, et encore ça comme d'habitude ça peut être dû au fait que les stats, les stats qui apparaissent sur le côté sont pas forcément hyper précis, étant donné que quand vous des fois modifiez un truc, genre vous revenez en avant et vous remettez le point, le cran même qu'il y avait juste avant, ça vous change légèrement les stats, alors que c'est le même réglage qu'il y a 30 secondes.
Voilà, les stats là-dessus, faut pas trop s'y fier du tout, parce que l'accélération, en général, c'est pas du tout ça, c'est pas du tout ce qui est marqué, je sais pas comment marchent les stats, mais bon, une petite différence si minime sur le freinage, c'est juste la précision qui est pas là. Avec les pneus là, il y a quand même un style, hein, ça lui va bien, ça lui va bien. Bon, même si c'est des pneus Bushimura, donc c'est des pneus japonais, je crois, sur le jeu. Enfin bon, c'est une marque qui n'existe pas, mais c'est une marque théoriquement japonaise sur le jeu. Donc sur une américaine, c'est vrai que voilà, mais ça rend bien, ça rend bien. Allez, hop, on va voir comment on peut se débrouiller. Même si voilà, on devrait avoir exactement les mêmes perfs. La Camaro de base est pas si dégueu que ça, hein, donc ça me choquerait pas que celle-ci soit vraiment sympa à conduire. D'ailleurs, je vous ai pas montré l'intérieur, on le regardera juste après. La vache, j'ai failli partir en couille. Hop, ça c'est lourd et léger à la fois. C'est assez maniable quand tu l'as dans les mains, mais c'est pas non plus. Voilà, quand ça tourne, c'est assez réactif, disons, pour faire un droite-gauche. Mais y a une limite d'appui qui arrive quand même assez vite. Mais ça se conduit quand même assez tout seul. La puissance nitro, par contre, est insane. Hein. Ça, c'est ouf à ce niveau. Hop. La voiture est assez stable, ouais, sur la réaccélération, ça va. Bon, ce sera pas le chrono de l'année, mais on a fait quelques erreurs aussi. Enfin, quelques erreurs. Juste manquer un petit peu d'optimisation. Ouais, elle manque quand même d'appui. Hein. Faut quand même bien freiner ici, ça passe pas à fond, malheureusement. Donc, un peu comme la Camaro de base, quoi. Mais c'est pas une mauvaise voiture non plus, hein, la Camaro de base, franchement. Bon, après, c'est pas la bagnole que tu vas prendre pour faire un world record, clairement. Mais c'est une voiture qui se conduit un peu tout seul quand même et qui est assez cool à conduire. Quoi, c'est pas mauvais, mais que c'est pas non plus exceptionnel. C'est des voitures en général assez sympas à conduire. Celle-ci est très sympa à conduire. Mais bon, voilà, tu vas pas faire ton chrono de l'année dessus. Hop. Et on fait une 40 environ tout pile. Donc. C'est correct, on va dire. C'est correct. C'est moins bien quand même que la Pontiac plutôt, la Pontiac GTO qu'on a testée il y a quelques jours là, qui est sortie avec les stories, et qui est pourtant une muscle car des années 60. C'est moins bien parce que bon, j'avais fait pratiquement autant d'erreurs. Donc ouais, ça manque d'appui, ça manque d'appui, ça c'est sûr. Par contre, la puissance nitro, elle y est. On va regarder un petit peu la vue cockpit du coup. Alors au niveau de la vue cockpit, quand tu regardes en arrière, effectivement, tu as cette belle petite guitare. Hein. Franchement, le délire avec la guitare, j'ai pas du tout la ref. Hein. C'est vraiment, si vous l'avez, dites-le moi parce que j'aimerais bien comprendre. Ou si c'est juste un délire comme ça, mais je pense pas. En général, ils font quand même beaucoup de ref. Bon, du coup, pour l'intérieur, rien d'exceptionnel, mis à part la guitare à l'arrière. C'est exactement le même que la Camaro de base, à part que là, du coup, on va avoir un petit peu l'intérieur tout en rouge, mais je pense que tu peux reproduire exactement le même avec les choix de finition de la Camaro. Donc, bon, c'est quand même cool, mais un petit intérieur peut-être un petit peu plus exclusif aurait été peut-être sympa. Bon, on va tester la VMAX pour voir ce que ça donne. Bah, c'est ça qui est finalement assez dommage avec les éditions Motor Pass. Le fait que le Motor Pass soit payant, eh ben, tu peux pas mettre des voitures, on va dire, à part en palier gratuit. Comme par exemple la prochaine voiture du Motor Pass qu'on testera, ce sera le Proto Lucky One, qui est une voiture gratuite. Donc ça, ils peuvent la mettre exclusive au Motor Pass, elle est gratuite, tout le monde peut l'avoir dans la période du Motor Pass. Donc c'est plutôt cool. Mais tu peux pas, c'est vrai, sur des versions bah, que tu as que avec le Motor Pass payant, en payant le Motor Pass, tu ne peux pas te permettre de mettre effectivement des éditions meilleures en performance que les versions de base. Sinon, ça fera un peu de pay to win. Mais dans un sens aussi, après, le problème, c'est que finalement, on se retrouve avec des éditions, on se retrouve finalement avec chaque Motor Pass, 3 éditions minimum, bah finalement presque inutile, et c'est ça qui est vraiment dommage, c'est que ça fait que du recyclage, que du recyclage. Ça fait 395, hein, donc effectivement, même VMAX que la Camaro OSS de base, mais c'est vrai que finalement, bah les éditions, même si sur ce Motor Pass, j'avoue, c'est pas les pires éditions qu'on ait eu, loin de là. Hein. La saison 4 pour moi était bien pire en termes d'édition de Motor Pass, et on a même eu pire avant. Mais
Cette saison 5, bah, tu regardes la E8, il y a quelques modifications. Tu regardes celle-ci, il y a quelques modifications, mais c'est pas des modifications qui se voient énormément non plus. C'est pas des modifications qui te sautent aux yeux. Genre quand tu la conduis comme ça, tu vois qu'il y a quelques modifs, mais c'est pas non plus. Tu te dis pas waouh quoi quand tu vois la voiture. Et c'est ça le truc qui est dommage, c'est que finalement, bah, quitte à nous faire des éditions finalement, et c'est normal, qui ont les mêmes perfs que les versions de base. Pourquoi ne pas nous faire des trucs beaucoup plus travaillés où vraiment ça nous saute aux yeux? Les modifications, après faut que, évidemment les constructeurs soient d'accord, ils font pas ce qu'ils veulent les développeurs sur les voitures, faut que les constructeurs soient d'accord. Mais si on prend par exemple, pour moi qui est vraiment l'une de mes éditions préférées, alors c'est pas une édition Motorpass, c'est une édition Summit, mais la Mazda RX-8 Thunderwave édition. Par rapport à la RX-8 de base, franchement elle est très différente. Toutes les pièces de custom qui sont présentes sur cette RX-8 Thunderwave édition, eh ben tu ne les retrouves pas sur la RX-7 de base. Vraiment, elle est 100% exclusive et c'est ça qui est bien. Et surtout quand tu la vois, ça te saute aux yeux qu'elle a un kit carrosserie qui est vraiment incroyable, qu'elle a des modifs spéciales, enfin ça te saute vraiment aux yeux. Alors que vraiment les éditions Motorpass qu'on a là, bah ouais c'est un peu modifié, il y a des trucs un peu exclusifs. Donc c'est mieux que la saison 4, mais je trouve que ça saute pas non plus aux yeux. Et quitte à avoir des trucs qui ont la même performance, autant avoir un truc vraiment bien, bien, bien différent esthétiquement. Ce serait vraiment cool ça, d'avoir ça. Enfin, c'est mon avis en tout cas. S'ils pouvaient faire des modifs un peu plus incroyables, ce serait cool. Après, évidemment, il faut que les constructeurs soient d'accord. Donc il faudrait trouver des marques qui accepteraient vraiment des grosses modifs. Mais bon, c'est mon avis. Et je voulais le partager. Donc bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Activez la cloche pour ne louper qu'une des prochaines vidéos. Donc comme je l'ai dit, le prochain véhicule Motorpass qu'on testera et même le prochain véhicule tout court qu'on fera en custom test, ce sera le Proto Lucky One qu'on devrait faire cette semaine, hein, logiquement, vu que je le débloquerai mercredi. Et puis du coup, on se retrouve bientôt pour de prochaines vidéos. Donc à la prochaine et ciao ciao. Allez, bye!